Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Incroyable. Ton calcul du soir. Cela est chouette, écoute bien. Ce jeu a un humour incroyable. Franchement, petite valse. Excellent. Bon, après, ça passe à répétition, hein, donc voilà. Je sais pas comment on est de partition par contre. Bah, je crois qu'on est à 5. Derrière, ça s'est actualisé. On est à 5 sur 8. On est à 5 sur 8. Regardez ça, ils sont contre le mur là. Code qu'on a toujours pas réussi à traduire et deux trucs. Il nous faut trouver un geek. J'en occupe des plantes. Les humains les ont tellement améliorés, maintenant on a presque plus besoin de lumière. Je les arrose à peine, regarde comment elles poussent, c'est une technologie vraiment incroyable. C'est un code binaire. Bien curieux que tu as là, c'est un vrai geek. Ouais, mais j'ai pas de geek moi malheureusement. Je connais pas vraiment de geek. Bon, bref. Allez, trêve de mondanité. Il nous faut nous remettre à chasser ceci. Ah, il est pas bien haut, à mon avis, lui. Mais où est-il? Là est toute la question. Le bar est juste là, j'en suis certain. Programmation Elliot. Eh, la boule de poil. Viens voir, j'ai réussi à capter le signal.
Il m'étonnerait qu'il me dise de... autre chose et je vais mettre ça en pause. Idiot. J'ai tout ce webinaire. Ah, une seconde, je dois calibrer mes lentilles. Et voilà, ça veut dire du fer barre. Bizarre. Qui donnerait rendez-vous via un code binaire? Elliot est hypochondriaque, il ne reste plus au cou, c'est héréditaire. Si tu veux qu'il retourne au travail, tu as intérêt à lui amener des vêtements, ça le flattera. Bon, je ne sais toujours pas où est ce deuxième souvenir, ni le premier. Truc à damier ici, là. À mes souhaits. Ah, il faut que je trouve du fil électrique pour me faire un poncho aussi. J'ai ça aussi à faire. Où est-ce qu'il peut être ce souvenir? J'ai déjà le rencontré, lui là-bas, je crois pas. Mais si, je suis allé le rencontrer. J'adore le temps qu'il fait en ce moment. Avec mon ami, on adore se balancer des pots. C'est amusant et propre. Notre voisin du dessous n'est pas d'accord. Alors on fait une petite pause. Lol. Faut que j'arrive à trouver ça là. C'est sur un toit pour moi. Dans un truc dans ce genre-là, là, mais je sais pas du tout ce que ça peut être. Ça aurait pu être ici, mais non. Bon, c'est pas de ce côté-là. Du moins, je le pense pas. J'ai peut-être passé 10 fois à côté, hein. C'est tout à fait possible.
Peut-être un poil plus haut? Là-haut, peut-être? Je ne peux pas monter là-haut, moi. Oh, lui là-bas, genre, il faut que j'aille le voir, lui là-bas. Lui là-bas, il faut absolument que j'aille le voir. Lui là-bas, je suis sûr de pas être allé le voir. Si, je suis allé le voir, mais je m'en souviens pas, quoi. Eh bien, monte sur la table. Ouais. Bon, je ne sais pas où il est ce souvenir et ça m'embête. Parce que autant l'autre, je l'aurai en visitant les intérieurs, c'est sûr. Autant lui, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il se trouve. Ah si, je l'ai donc déjà vu. Ok. C'est là-bas, je l'ai, c'est là-bas. Ok, comment on fait pour accéder là-bas? Par en bas ici, là, il y a un chemin. Ok. Et c'est juste devant l'ascenseur. D'accord, très bien. Bon, ben, on avance, on avance, on avance, on avance. Je pourrais nommer ces lumières comme c'était de réconciliation, le grand cercle, la boule, non, il faut réfléchir davantage. Oh, ça va m'amener juste à côté, ça. À force de persévérance, on finit par trouver. On dirait bien que ce sportif a tenté d'atteindre le niveau supérieur. Ouais, je me souviens. Le centre-ville est par là-haut, loin des déchets, des maladies, des taudis. Même dans l'état difficile, les humains ne pouvaient s'empêcher de se diviser en classes sociales. À l'époque, beaucoup de gens étaient prêts à tout pour tenter de monter là-haut. Visiblement, les robots ont reproduit ce comportement. Yes. Il nous en reste plus qu'une découverte à faire. Oula! À bloguer, monsieur. Ouais. Wow. Bon, maintenant, il faut trouver. J'adore. Maintenant, il faut trouver en intérieur un tapis à damier, un sol à damier encombré avec une photo d'un mec passant l'aspirateur. Et je pense que c'est en intérieur, ça. Où est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça ressemble à ça comme tapis, mais il n'y a pas de photo ici. Et pour moi, c'est forcément en intérieur.
Lui, il veut pas me parler. Lui, d'ailleurs, c'est une énigme, hein, lui. Hein. Ah, c'est la laverie. Voilà la lessive super machin que je devais choper. Mais elle serait pas là. Il y a forcément autre chose à faire ici que juste choper la lessive. Non, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et je dois encore nettoyer l'entrée de ma boutique. Arrête de jouer au-dessus de ma boutique, espèce de petit vaurien! Il est pas content. Bon, c'est pas lui. Cette île nettoie encore la peinture. Au moins, elle sait quoi faire de cette lessive. Bon, il est où ce tapis à l'intérieur là? Dans le bar peut-être? Peut-être à l'étage du bar. Non, il n'y a pas le tapis que je cherche. Bon, eh bien, je ne sais pas où est le dernier souvenir qu'il me manque. Je l'ai peut-être tout simplement pas encore débloqué. Bon, on va aller voir avec sa radio, lui, ce qu'il veut. Voyons si je peux faire marcher ce truc-là. J'ai failli l'avoir. Allô, quelqu'un m'entend? Allô, oui, on t'entend. On vient de te dire, on cherche une sortie et... Attends, c'est toi, ce Balthazar? Momo? C'est incroyable, je suis trop content d'entendre le son de ta voix. Balthazar, où es-tu? Les autres vont bien? Oui, tout va bien, on a trouvé comment monter. Allô, tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. Très dangereux, Zurk partout. Les égouts, comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, Balthazar est en vie. Avec d'autres extraoristes, ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux, Tony. Mais si Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Vous ne passerez jamais par les égouts, c'est infesté de Zurks. Il ne ferait qu'une bouchée de vous, et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont tenté leur chance, ça finit toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu, et puis, c'est pas mes oignons. Bah, oui. Lui, il faut que je le suive. Son père, Doc, est un grand scientifique. Il travaillait sur une nouvelle arme combattre les Zurks. Il y a quelques années, il a testé cet appareil et n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'a plus jamais été le même. Ah!
N'écoute pas Semus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de rejoindre les terroristes. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises, sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Semus. Allez, suis-moi.